Salut à tous et à toutes, c'est Tsubasa et on se retrouve pour ce cinquième épisode de Motorsport Manager. On se retrouve pour le Grand Prix de Tondela au Portugal. Et c'est parti. Allez, hop, qui va-t-on garder? Alors, ensuite, voyons voir pour les pièces. Ils sont contents, contents. Alors, voyons voir. Poum-poudoudoum. Alors, risque faible, risque faible, risque faible. Ah, là, il y a la vieille transmission. Bon, normalement, Rafael Rodriguez a une meilleure voiture. Alors, voyons voir. On va installer les pièces. Alors ça c'est bon, celle-là est interdite, mais j'en prends une autre, voilà. Alors ces pièces sont installées, celles-là elles me servent pas. Moteur, toc toc. Il me faudrait vraiment des meilleurs moteurs. Hop. Regarde ça, 80-80 pour les ailerons. Ça, je peux rien toucher. La transmission, ok. Les ailerons arrière, je peux pas toucher. Et les suspensions, celles-là, elles sont, c'est les dernières que j'ai créées. Par contre, je vais améliorer leur fiabilité. D'accord. Donc ça, c'est bon. On change rien. Bon, ben c'est parti. Ça s'est installé. Et bah direction la course, tout tout tout. Virage à faible vitesse, donc les ailerons avant essentiels, vitesse. Oula, alors que je baille. Magnifique. 49 tours, usure des pneus élevés et moyen carburant. Ah, bon, on va voir ce que ça va donner. Alors que j'ai trouvé sur le workshop quelques mods. Parce que là, vous avez pu voir que j'avais la. Comment dirais-je? Je pouvais voir le visage de Ja. Ça prend du temps pour la petite vidéo de présentation où est le circuit. J'ai pourtant rien d'autre qui tourne, mis à part ça et le logiciel d'enregistrement. Ah oui, ouh là là, ça met du temps. C'est pas beau à voir. On a le prix qui va se tourner comme ça. Un Grand Prix du Portugal. Pom 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 pom. Eh ben dis donc. Ça en met du temps.
Alors, augmenter, j'ai les traits de caractère et le bâtiment du QG. Ouais, bah oui. Ça a l'air d'être un circuit pas mal. Hop. Puis ça remonte par là, ça fait là comme ça. Ouais, ça a l'air d'être une course intéressante. Changer. Peut-être que les maths que j'ai installées prennent plus de poids, mais bon, normalement ça devrait pas, hein. C'est juste les photos des pilotes, donc on devrait pas y avoir de soucis avec ça. Hein. Modélisation 3D, ça y est. Bon. Alors, pour les essais libres. Alors que... Déjà, donc vous voyez... J'ai les photos maintenant de pilotes. Donc on va mettre Ja et Rafael Rodriguez. Ensuite, le réglage de la voiture. Voyons voir. Réglage de la voiture pour machin. Alors, on a dit que toi tu voulais. Poum, poum, poum. Et 26, 28. On va voir ça. Ouais, et déjà il bouffe plus les pneus plus rapidement que Rodriguez. Alors, hop. Oui, on va faire les essais libres quand même. Sur la piste. Alors, ça, on va rien changer pour l'instant là-dessus. Je sais pas ce que ça va donner. Hop, on va régler pour 4 tours. Et hop, on va envoyer pour ensuite. Toi, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Envoyer. Par contre, tchac. Et on avance. Rodriguez gêné
approche ouais dans la ligne droite de son premier tour. Et les deux qui se gênent. Alors maniabilité pour Rodriguez est parfaite. Génial pour Dja, donc visiblement au niveau maniabilité c'est bon. Une 17-300, c'est bien. Que Dja se fait un petit peu embouteiller. Niveau météo, ça passe, c'est bon. Ah, l'aérodynamique est pas bon, a priori, pour plus de déportance. D'accord, bon, on va les rappeler au stand. Oula, ah oui, mauvais, bon, mauvais. Ouais. Alors la déportance, c'est pas bon. La maniabilité, c'est bon. L'équilibre, c'est pas bon. Bon, alors, pour la déportance. On va mettre là 27,5. Je pense que ça devrait être un peu mieux. La maniabilité, on va éviter d'y retoucher. Voilà. Voilà. On va prendre ces pneus-là. Voilà. Et pour Dja. On va mettre ça comme ça.
On va suivre Rodriguez. Ah, visiblement, déjà l'aérodynamique plaît un peu plus à Dja. Une 16-7, une 17. Ah oui, en effet, oui, il tourne mieux là. Équilibre impeccable. Bon, a priori, on est bien là. Oh, excellent, très bon, bon, excellent, bon, bon. Eh ben, j'ai jamais eu des réglages comme ça. A priori, j'ai quasiment trouvé les meilleurs réglages possibles. Bon, ben, c'est parfait. Bon, si ça, par contre, les petites vidéos pouvaient aller un peu plus vite, ce serait mieux. Ah oui, on est largement plus rapide que les autres. Le meilleur fin fait le bruit de... Voilà, c'est dit. Ok. Et puis on n'a pas fini par avoir mais la progression n'a pas été. Ah bah oui. Bon. Aujourd'hui. On verra bien. Donc ça c'est bon. On continue. Allez, pour la course. 1 million 2 si je fais 3 ou mieux. Ouais, je suis vers les fonds de grille, moi. Alors, voyons voir. Ceux qui donnaient ouais cela voilà choix de pneus on va commencer avec des pneus comme ça hop ça c'est bon on confirme la voiture numéro 2
parfait. Donc ça c'est bon. Bien. Par contre, là, je comprends pas pourquoi je ne suis pas normalement, puisque j'ai normalement c'est l'inverse de. Ouais, normalement, on doit prendre. Là, on inverse du classement du championnat des pilotes. Donc normalement, vu que Jack devrait être dernier. Enfin, bon, on se pose pas tous questions. Hein. Jack n'est pas dernier sur la grille. Ah bah tiens, d'ailleurs, on la revoit. Bon, bah, c'est bon, on l'avait déjà vu, merci. Rodriguez qui a pas pris un bon départ, qui se fait bloquer et qui perd des places, qui se retrouve 5e. Allez, 6. Alors que déjà lui par contre a bien pris un bon départ. Allez, Rodriguez qui revient, 4e. Ça va passer, oui, allez, 3, ah merde, au freinage, ça repasse derrière. Ah, on est repassé 5e. Ah, faut le faire venir au stand.
Ah, puis Rodriguez, là, il perd des places. Oh là là, oh là là. Vincent, déjà, il est cinquième. Ah, ils ont fait un... Il y a eu un problème lors de la déréparation, putain. 8 secondes de perdu. Ouais, j'allais passer. Jazz défend bien. Rodriguez est revenu 14e. Il est dans le trafic là. Ah ouais. Il fait des bons chronos, c'est déjà ça. Ils sont déjà là, le trio de tête, hein. Oh, bien vu! Et pendant ce temps, Rodriguez est remonté. Il est 12e. Deux dépassements d'un coup également pour lui. Et déjà, les pneus commencent à être
par contre au stand. Tu vas me prendre de l'intermédiaire. Hop. Les pièces, ça marche. Au stand. Eh bien les gars. On est ressorti quatrième, c'est bien. Rodriguez qui rentame sa remontée, mais ça va être dur, hein. Et 13e.
Putain, c'est pas possible ça! Et derrière, l'autre, il se rapproche. Ah ben voilà. Malheureusement, Arbeloa, il est revenu. On aurait pu apprendre pas mal de distance, malgré tout, il est revenu dans le sillage. Ah puis il attaque à fond, Arbeloa. Il y a 20 secondes de Antonov.
Là, on va y avoir l'état de la voiture de Jean en même temps. Là, il va falloir de toute façon la faire arrêter avec un petit coup. Alors, si je vais, je vais faire un stand. Je lui mets ces pneus-là. Que je lui mets le max. L'état des pièces. Déjà, ça, je peux les faire réparer. Tour, je pense que c'est faisable.
Putain, faudrait que Rodriguez dépasse Van Aanen plus assez rapidement. On est en train de perdre du temps sur le 5. Allez, voilà, c'est déjà fait. Allez, 2 secondes 7. 2 secondes 6. Allez, Cavalcanti, il faudrait aussi le dépasser assez rapidement. Parce qu'il y a 8 secondes de retard. 7 secondes 8, 7 secondes 7. Cavalcanti accélère par rapport à Antonov, ça c'est bien. Il faudrait le dépasser. Il est en conservation, il faudrait le dépasser là. Oui, bien vu l'intérieur. Allez, on a 5 secondes 5. Allez, 5 secondes de retard sur le quatrième. Et on tourne 5 secondes plus vite que lui. Normalement, ça devrait aller. 4 secondes 3. On a un meilleur temps autour. Ah, si les attardés ne nous gênent pas trop. 4 secondes 7. En devant, normalement, c'est course gagnée pour Dja. Allez Rodriguez, merde! Et il reste 4 tours. Dja est dans un fauteuil. Devant, ça a arrêté d'attaquer. Allez, Antonov. Ouais, c'est possible de se faire Antonov et Jean de tir, mais il faudrait dépasser Antonov assez rapidement là. Elle est en conservation là, putain. Ah, mais non, merde! Maintenant, on a un attardé supplémentaire à dépasser là. Elle est finie au moins quatrième, quoi, Rodriguez, merde. Oh, mais non, putain, on va se faire même emmerder par le 11e, là. Putain, une seconde 6, on allait le dépasser, là, putain, mais sérieux.
Allez, passe-le! Ah, merde! En premier et cinquième. Ah, c'est chiant, putain. Il n'y aurait pas eu cet accrochage en début de course. C'est bon, ça passait là. C'est déjà ça, hein. Au moins il y a la victoire et puis il y a les 1,2 million de bonus, hein, qui nous tombent de. Mais bon, c'est chiant quand même. Alors, hop. Allez, l'inspection. Ouh, un risque élevé pour les freins. Ouh, et bah merde, 4, 6 places. Ouh, youpi. Youpi, youpi. Alors, voyons voir. Déjà, la dégradation de 4 places. Wouhou! Six. Et une pénalité. Oh putain, 6 places. Bon, est-ce que malgré tout je les ai touché quand même ou pas? Je pense qu'on a dû toucher. Donc on fait 1 et 4 et on se prend. Et au final on a 4 et 9. Youpi. Alors, hop, qu'est-ce que ça me dit? Ah oui, l'évolution de mes pilotes. Bon, bah, comme bien entendu, tu n'as que. Ben oui, voilà, j'ai perdu des places au niveau championnat du monde des constructeurs.
Et bien sûr, je n'ai pas touché. Et voilà, j'ai perdu 1,4 million. Parce que j'ai pas touché mon bonus. Alors, championnat du monde des pilotes. Pour l'instant, c'est Wrexler. Tout le monde aura reconnu, bien sûr, le pilote de la Scuderia Ferrari. Oh putain. Et le deuxième pilote Ferrari qui est là. Alors, hop. Ça avance. Alors, bon, on a quelques petits messages, voyons voir. Alors, Rodrigue n'a pas de rythme, mais ils font. Oui, moi aussi. Hop, actualisation d'état de la voiture. Non. On va jeter un oeil après. On va jeter un oeil au véhicule tout de suite. Transmission, ton tête tendeur, dites-le. On va éviter les pièces. Hop. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? La pièce va être fabriquée. Voilà. Ouais, oui, on va répondre à la question. Vous avez eu le temps de vous écrire maintenant. Quelles sont vos préoccupations en ce moment? Voilà, hop. Merci beaucoup. Pièce interdite. Ah oui, Bernie Ecclestone. Maria Gonzalez.
Ils sont en train de réparer la voiture. Donc forcément, on peut pas y accéder. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Ensuite. Non, on est premier. On est au premier au championnat du monde. Et là, le prochain Grand Prix, ce sera les Ardennes. Tant que je vois quand même mes sponsors, un truc. J'avais choisi lui. 1,2 million. Lui, ça me. Non, rien en plus. Il m'a donné 1 million. J'ai mis 1,2 million. Donc, non. Hop, je suis bien. Jessica Monroe. Si on approche, lui, il est pas intéressé. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà, ils ont fini de réparer la voiture. Ça, c'est parfait. Donc, on va aller voir la voiture. On va aller voir pour les pièces. Améliorer. Alors. Les suspensions. Ah oui, niveau fiabilité, d'accord. Ah, celle-là, j'aurais pas dû la produire, ça me sert à rien. Risque est faible en plus. Les autres ont été annulés, c'est la merde. Donc il faut que je revienne à celle-là comme transmission. Ouais, il faut que je revienne à ces freins-là. Et là, voilà, Santa, ah, ben on va regarder. Argentin, 24 ans. Pilote principal, il faudrait peut-être l'observer. Ce serait mieux si on observait au moins. Predator, Predator, Predator. Predator. Ah,
Oui, championnat européen, donc ça sert à rien que je... Hop, 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 mon petit bonhomme, ça sert à rien que je t'observe, toi. Santa Ana, j'ai pas besoin... Ah, non, il faut que j'aille dans recrutement. Voilà. Alors, rapport d'observation terminé. Gustavo Costa. Enclin aux accidents. Ok. Super. Héros du premier tour. Ça, c'est pas mal. Expert de Tondela. Ça peut être pas mal pour le Portugal. DSS et consigne d'équipe. Ok. Et podium. Nous faisons ce robot sur un ensemble de données sur les composants à raison en ce moment et sur des... T'es obsolète, le président est vivant et veut tout améliorer. Coûter une fortune. Non, en niveau informatique, faut pas... Voilà, hop, on fait. Par contre, hop, je vais aller voir au niveau finance. Monsieur le Président, vous êtes bien gentil, mais quand même, il me faudrait... Ah, il me faudrait des fonds supplémentaires, parce que là, grâce à vous, je dois machin. Hein, donc, voilà. Eh bah oui, voilà. Alors, production de frein. Ok. Et je vais reproduire les mêmes. C'était ça et ça. Voilà. Alors celle-là, il faut que j'améliore la fiabilité. Donc on va améliorer les pièces. Qu'est-ce qui ne servira pas? Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Il faut ça.
Alors, voyons voir. Hop, revêtement. La prochaine échelle de guérison. Description de l'interdiction. Nom du ravitaillement. Wolfgang Schmidt. Ans. Réflexe éclair. Foyer Larsen. J'ai mes freins. Nickel. Attends, reviens en arrière. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais améliorer mes pièces. Donc ces deux-là. Bon, 250, ça c'est déjà pas mal. Et une fois que j'aurai, il faut que j'améliore la fiabilité. Donc ça va être prêt. On s'en fout le siège pour l'instant. Alors, siège, écurie, piste de votre personne et recrutement. Finance. Sponsor, non, on a toujours rien. On avance. Les voitures ne peuvent pas faire le plein pendant. Voilà, donc visiblement il y aura toujours des ravitaillements en course. Jenny North. 36 ans, ça c'est pas mal. Freinage, malaise à domicile. Moi ouais, c'est seulement en Angleterre. Ouais, par contre, ça perd beaucoup au niveau. Ouais. Ça perd beaucoup de points au niveau de dans les stats.
Donc, pas intéressant. Et quand la prochaine course? Dans 6 jours. Ouais, ça va alors. On va faire avancer. Voilà, hop, ça va être la fin de Kevin Conti chez Silva. Pinotien, pour assurer la fin de ses eaux. Ouais. Et il a 20 ans? Donc on a Harry Chapman, donc Lewis Hamilton, qui gagne le Grand Prix d'Afrique du Sud. Et nous avons toujours Brexler, qui est toujours chez Ferrari et qui est en tête du championnat du monde, c'est à 14,98 pour Chapman et Saarinen, le coéquipier de Rexler. Zoé Sharp, hop, 18 points. Un tour quand même. Putain, et un tour de retard. Enfin bon. Ensuite, Asie-Pacifique, Nightingale. Et c'est toujours Costa. Qui finit quatrième. Wow, 12, 6, 4, 3, 2 et 1. Ouais, l'Asie, par contre, pas super championnat. En fait, tu prends des points que si t'es dans les 6 premiers. Alors, hop. Nous avons quelques messages. Alors, Guillermo Almeida. Ah, bah, y a pas Guillermo. Là, il apparaît pas. Alors, voyons voir. Alors, hop. Voilà. Tac 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 tac. Alors, Guillermo Almeida, 32 ans. Ouais, passif, dépassement moins 2, cours pour l'argent, ouais, youpi. Les sponsors vous verseront pour chaque course dans laquelle ils seront impliqués. Oui, mais il m'intéresse pas. Donc voilà. Ensuite, personnel. En matière de développement de pièces et légal, comment ça se fait? Vous pouvez améliorer. Ah, voilà. Donc ça, c'est fait. Ok, bah maintenant, on va améliorer la fiabilité de ceci. Vous avez amélioré. Alors, les suspensions sont nickel. Parfait. Transmission, on va mettre celle-là. C'est les mêmes. Moteur. Hop. Et au niveau. Alors,
Voilà, chacun a sa pièce. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas, dès que ça sera bon, vous aurez droit à ces freins-là. Ils ont l'air plutôt bons. Hop, je suis reparti trop loin. Et Lucia Flores qui a fini d'être observé. Lucia Flores, 21 ans. Mauvais feedback, moins de youpi. Maigre, forme physique plus 1. Temporaire. Ouh, il a que 6 mois de contrat. Ah, là, par contre, ça peut être intéressant. Un pilote qui a plus que 6 mois, c'est-à-dire qu'il a Rosato Corsa. Ah, il est en Rosato Corsa. Tant qu'on arrive là, on va mettre ici, ce serait mieux. Mais bon. Bon, avant de régler ça quand même, on va arrêter là l'enregistrement de ce 5e épisode, puisque ça fait déjà quand même une bonne heure qu'on est ensemble. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour du Chroma Squad. Et on se donne pour Motorsport rendez-vous dans 3 semaines pour le 6e épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis un bon week-end aussi. La santé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.